Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'encens Saint-Michel. Donc, l'encens Saint-Michel, c'est vraiment Saint-Michel. On connaît que Saint-Michel, c'est l'archange qui combat nos combats. Ok? Donc, cet encens peut, comme tous les autres encens, peut être utilisé de plusieurs façons. Donc, on le brûle juste comme ça et l'odeur va se mettre partout. Quand vous brûlez l'encens chez vous, quand quelqu'un est à 1 km là, bon, c'est vrai que c'est exagère, à 3, 4, 200 mètres, il peut sentir l'encens. Et les mauvais esprits, à distance, ils peuvent localiser les maisons qui ne sont pas protégées. Donc, vous pouvez écraser cet encens, vous mettez dans votre huile pour vous oindre, ou dans l'eau pour vous laver, ou encore, vous mettez dans l'eau et vous éclaboussez dans la maison. Donc, l'encens fonctionne avec les odeurs, ok? Dans le monde de l'esprit, le parfum est très important. Donc, ce que tu fais, tu brûles ton encens, tu mets. Et ça, c'est l'encens Saint-Michel. Qu'est-ce que tu fais quand tu allumes ton encens Saint-Michel? Tu peux faire une petite prière. Tu peux lire le psaume 91. Voilà. Quand tu finis d'allumer, tu éteins. Et ça va commencer à brûler tout seul. Vous voyez, la fumée se répand. L'encens, si, ça enlève tous les mauvais esprits qu'il y a dans votre environnement. Et ces mauvais esprits viennent influencer vos idées. Ils vous mettent de mauvaises humeurs. Ils mettent le problème dans la maison. Vous voyez un peu. Maintenant, tu fais ça, ange Michael, Saint-Michel, prince des anges, toi qui es toujours là pour aider les gens, les enfants de Dieu, toi qui combats notre combat éternel contre le serpent. Voilà, donc tu fais une prière comme ça, et puis tu lisais le psaume 91 ou le psaume 35 quand vous brûlez l'encens Saint-Michel. Voilà.